Bonjour à tous et bienvenue dans SnowRunner pour l'épisode 17. Aujourd'hui, on va faire un petit contrat, enfin non, un gros contrat de GR Enterprise. C'est le Cargo Pocalypse, l'épisode 2, où il faut transporter à l'entrepôt de la Vallée Blanche 8 briques et 4 dalles de béton. Donc, on a un entrepôt ici. Et on a un entrepôt également ici. Donc, moi je me suis dit, comme on était là, on allait prendre les briques ici. Et je me suis dit, comme on a également notre remorque super lourde avec notre colob, j'essaierais bien de passer par là. De passer par ici. Attendez, je vous montre par là de haut en bas. Vous savez, l'autre coup, j'étais resté bloqué. 10 ans en fait, j'étais resté bloqué 10 ans là. Et je me demande si on pourrait pas passer tout droit. Alors attendez, je vais vous montrer avec un autre camion. Je crois que par là j'ai également mon bandit. Là. Alors on va détacher la remorque. Détacher la remorque. Et on va aller voir par là. Pourquoi je peux pas le démarrer? Ah, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Donc si on charge avec notre remorque super lourde. Je voulais savoir si on ne pouvait pas passer. Ouais, tout droit par là, là. Voilà, je te montre. Ah, bah là, déjà, ça part mal, hein. Ça passe pas du tout par ici? Attends. Voilà. Ah, parce que là, tu vois, il y a plein de souches et tout. Et je voulais savoir si on ne pouvait pas passer tout droit par là pour remonter avec le colob par là. Regarde. Là. Là, je pense entre les arbres, ça passe. Ici, ça passe aussi, je pense. Là, on peut passer peut-être ici sur le côté. Tu vois? Et puis là, bam, tout droit. Et puis ben, on arrive directement sur la route. Et du coup, après, on est tout prêt pour aller sur le. On est tout prêt pour aller livrer tout ça à l'entrepôt. Je pense que ça peut être sympa. Donc, on prend le colob, on charge la cargaison, on prend les briques. Alors, regardez comme c'est joli. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 briques. Et on va direction la Vallée Blanche. Donc pour aller à la Vallée Blanche, j'ai dit, on essaie de monter tout droit. On tourne ici, on prend le chemin et bam, direction Vallée Blanche. Sur le papier, est-ce que c'est pas fantastique? Évidemment, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Hein. C'est-à-dire, on peut s'aider du bandit, de notre Derry Longhorn. On prend tout là, on met tous nos camions dans le même panier. Première étape ici, première étape critique, je ne sais pas si la remorque va passer. Écoutez, normalement, il y a moyen. Puisqu'on a un gros treuil. Voilà. Pas mal, hein? Ah, je sais pas si je bloque. Non, mais toi, ça bloque pas, ça passe facile. On avance. Hein. Si on peut pas s'accrocher au truc là-haut, là. Ah, regarde, on est passé. Limite, on va essayer de passer sur la droite, là.
Une fois qu'on aura tout arraché, il va nous laisser passer, hein. Ah voilà, c'est celui-là que je voulais choper. Pas sûr que ça passe au final, hein. On va peut-être passer un peu plus sur la droite, hein, où ça monte moins. Où est-ce que tu crois qu'en le tirant... c'est bloqué ou pas? Non, je crois pas. Attends, on va me prendre le treuil. On va l'accrocher là. Là. Et là. Ok, on va recommencer. On va accrocher le treuil tout en bas. Ouh là là, en plus c'est super, j'entends de la musique copyright. Alors, faut pas qu'on traîne. Il ne faut pas qu'on traîne. Allez mon petit. Regarde. Allez, on avance. Regarde, ça passe. Regarde comment elle est là. Tu vois toute la puissance du truc là? Allez, on est passé. On en transporte 8 là. Donc on prend un virage bien large pour faire que pour tout passer là et on sera pas mal. Hein. Oh là là, bah toi je pensais pas qu'on allait réussir à passer par là déjà. On enlève un peu les panneaux, mais ça, c'est pas très grave. On va s'accrocher au treuil. Non, prends-le. Non, prends le poteau. Voilà. Là. Très bien. Hop. Encore un peu. Voilà. Ça, c'est du transport, ça. On va se mettre en vitesse lente. Et on espère qu'on va pouvoir monter cette pente gelée. Donc là, on n'avance pas vite, mais qu'est-ce qu'on transporte là? Tu as vu? Est-ce que vous avez vu ça? Nickel, hein? Vous croyez qu'on va y arriver là ou pas? Ou alors je m'embarque dans un truc qui est impossible? Bon, par contre, je vais pas faire le malin hein, pour aller dans le... Pour aller jusqu'à l'entrepôt de la Vallée Blanche, on va faire le grand tour. Hein. Je vais pas m'amuser à passer par des endroits impossibles. Hein. Ah bah je suis débile. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je pensais passer dans le tunnel. Raté. Bon, on est pas mal, on fait le trajet?
Alors, est-ce qu'on fait le grand tour? Ben en fait, on va passer là. On va peut-être faire ça, non? On va aller là. Là. Non, on va pas passer là au milieu. Là, on va passer là. C'est pas mal, hein, si on arrive à faire ça, là. Hop, voilà. L'entrepôt, bah nickel, honnêtement, si on arrive à passer comme ça. Passage là, non mais normalement c'est toute la grosse route, hein, donc ça devrait aller. On repasse le matin. Oups, j'ai raté le matin. Oh, j'ai raté encore le matin. Voilà, matin, c'est parti, on allume les phares. On rase bien, hein, à gauche là. On rebascule bien à droite. Ah, ça va passer avec le colloque, ça va passer. Ah bah toi, je pensais jamais réussir à l'utiliser cette remorque là. Donc là, on tourne bien, on prend bien large ici, hop, on n'hésite pas à faire une marche arrière hein, d'ailleurs. Si jamais on a besoin, il vaut mieux faire une petite marche arrière plutôt que de tout renverser. Parce que là, pour ramener une grue et remettre les 8 briques dessus, il y en a pour 3 quarts d'heure. Donc là normalement le trajet sur la route ça va bien se passer puisque là tout est tout droit normalement. À peu de choses près hein, évidemment. Il y a un virage là-bas, je sais pas s'il y a un arbre au milieu de la route ou pas. Attention, le virage ici. On prend bien large. Nickel. Alors ici, attention, c'est ici qu'on tourne ou pas? Non, c'est pas là. Non, 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 c'est pas là qu'on tourne. On tourne ici si on veut couper, mais on va pas le faire. Hein, parce que autant je veux bien qu'il y ait du challenge, autant faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc c'est parti. Pour faire le deuxième trajet avec les dalles, on fera autrement. Là, j'ai voulu faire ça parce que je voulais pas laisser ma remorque super lourde là au milieu en fait. Donc c'est ici qu'on tourne, hein. Alors, on tourne, on est bien, on est bien. On va couper un peu là. Parce que là, on va être obligé de monter un peu sur. Voilà, nickel. On essaie de prendre la trajectoire la plus droite possible, sans se renverser. Et là, attention, il y a un passage qui est extrêmement verglacé. C'est ici, je crois, donc on fait super gaffe. De pas se retrouver planté. Ici, on prend bien large et on tourne. C'est pas si mal. On va encore être obligé de casser une ou deux rambardes. Voilà. Par contre, après, je ne sais pas comment je vais faire demi-tour, hein. Voilà, et là il y avait une plaque de verglas en fait. Et là, faut pas qu'on se retrouve. Ouais, c'est ici que c'est verglacé. On va céder un peu du treuil, mais normalement j'ai bon espoir que ça passe quand même. Il y a encore, attention, ici on est mal positionné.
Voilà, on va retourner un peu ici à droite. Là, on essaie de prendre. Voilà, bien large ici. On repique là. On essaie de pas trop la déporter. Voilà, là on va rester collé à gauche parce que sinon ça va basculer. Attention. Non, c'est bon. C'est passé. Je crois que c'est passé. Nickel. Allez, il nous reste 150 mètres à faire. Est-ce que je peux passer au-dessus du caillou là? Aïe. Manifestement, on peut pas. Peut-être au-dessus de celui-là. Il est court sur patte, hein. Il est bas en fait ce camion. Du coup, dès qu'il y a un caillou, c'est foutu. Il se plante dessus. Donc là, par contre, je sais pas par où elle est passée. Hein. Je regarde pas. Hein. Honnêtement, c'est pas mal. Hein. Ça passe plutôt bien. Hein. Ça passe plutôt pas trop mal. Hein. Bon. On regarde pas trop pour pas se faire peur, mais elle a l'air de suivre. Hein. Il nous reste 80 mètres pour arriver à l'entrepôt. Je crois que c'est la plus grosse livraison qu'on va faire. Hein. Et voilà, magnifique, on y arrive. Regardez, entrepôt, Rama, gestion de la cargaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nickel. Comment on fait demi-tour là? Alors, la technique, ce que je vais faire, on va arrêter le moteur déjà. Voilà. On va arrêter le moteur. Regardez la carte. Bon, voilà, on est arrivé. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très orthodoxe comme méthode, mais écoute, ça a l'air de marcher, hein. Est-ce qu'ici on peut prendre les dalles de béton? Oui, une, deux, trois, quatre. Et ça y est, on est plein. Alors maintenant, on arrête le moteur. Je vous explique ce qu'on va faire, puisque là, on va le faire ensemble. Ici, on va repartir. Bon, on peut dire qu'il n'y a pas de difficulté. Ici, on va bien. On va essayer de faire ça là. Ici, j'ai l'impression qu'on peut couper ce virage-là. Là, aucune difficulté. On repassera mettre de l'essence si on a besoin. Ici, on n'hésite pas aussi à couper le virage s'il faut. Et direction la... Ah, mais la vallée blanche, c'est où?
Ah, faut qu'on passe par Pedro B? Ah non, mais faut qu'on tourne par là. Ok. Ok. Donc là, là par contre, la difficulté, je pense, ici. Attends, mais du coup, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de passer par l'autre côté? Je me demande. Il n'y a pas de route là. Hein. Là. Ça va être galère, tu crois, si je passe là au milieu, là? Pour prendre ça. Oh, on essaye. Ah, j'ai trop envie d'essayer. On passe par là, comme ça. Ch-tac. 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 Tac. On monte, et on va là. Oh, j'ai envie d'essayer de faire ça. Faut que je refasse demi-tour. Ça va être galère ou pas, là? Non, je pense pas. Allez, on essaie de faire ça. Faut juste que je passe. Ouais, ça va pas l'air. Ah mais il faut que je passe derrière, devant le poteau là. Je peux faire le plein ou pas ici? Pas encore. Là, je peux là. Ok. On va essayer de passer là quand même, hein. Oh. Faut que je passe devant le poteau, sinon ça va pas aller. Je vais pas pouvoir tourner. Comme ça. Attention, ne te renverse pas. On peut accrocher le truc quelque part ou pas là? Non, c'est foutu là. Là, on est mieux. Allez, vas-y. Ah, ça serait beau là, hein, que ça passe par là. Allez, on essaye. On part à l'aventure. Donc, impro total, parce qu'à la base, hein, je voulais pas du tout passer par là. Mais c'est quand même vachement plus court. Mais on a déjà dit que la solution la plus courte n'était pas toujours la meilleure. Hein. Mais là, ça me semble court. Et pas si bête. On va voir, hein, on va voir. Après, j'ai pas tellement de chance en général quand je fais ça. Mais là, écoute, je pense qu'il y a moyen. Bon, là, faut pas que ça tombe dans le lac, hein, là. Parce que sinon, on est bon pour tout recommencer. Allez, on y va. Oh, ça coince. Ah non, c'est quoi qui coince? Je crois qu'on est coincé dans un. Ah non, mais c'est bon, en fait, ça coince pas du tout. Attends. Non. Prends le treuil là. Pas se prendre là. C'est bon. Ouh, ça penche. Non, c'est bon. Derrière, ça va? Ouais, c'est parce qu'il y a le caillou là. Oh. C'est passé, hein? Nickel. Allez. Oh, mais là-haut, je vais pas passer. Comment on va faire? Il y a un arbre devant? Ah. Passe plus là. Je pourrais faire demi-tour, tu crois, là-bas ou pas? Il me semble qu'il y a un truc, hein, parce que là, demi-tour ici, ça me semble compliqué là.
Allez, on y va. On va accrocher, on va mettre le frein à main, on va accrocher le treuil au camion. Là, c'est pas mal, là. Si on peut l'accrocher ici. Est-ce que j'essaie de faire demi-tour ici ou pas? Voilà, tu rigoles, tu peux pas te treuil, là? C'est con, ça. Bon, bah écoute, on recommence. Là. Un demi-tour là, ça te semble compliqué ou faisable là? Compliqué, hein? Attends, je réfléchis. Il y a de la place là-bas? Ouais, mais il y a de la place là-bas. Viens, on va faire demi-tour. Je pense que ça sera plus facile. Oh là là, on va terminer de nuit. On allume les phares, hein. On allume les phares. Alors, attention. Regardez bien. Comment on va s'y prendre? Et finalement, il faut pas tant de place que ça pour faire demi-tour. Attendez, c'est pas gagné. Ah là, ça va bloquer. C'est juste, je peux pas monter là-dessus. Hein. Oh non, ça bloque. Oh non, c'est bloqué. Pourquoi je peux pas monter sur ce truc là? Ça, c'est quand même une blague. Hein. On peut pas monter là-dessus là. Là-dessus, on peut pas, là. C'est interdit. C'est bon. On va se réparer. Ah, allez, on est reparti. Mais c'est passé nickel comme une lettre à la poste. Donc, il nous reste 100 mètres à faire, là. Ça va bien se passer. Et après, le trajet va être relativement facile. On redescend pas, évidemment, hein. Ça serait bête. Ici, petit virage à gauche. Il y a du... Ouh, alors attends, pas de panique. On va passer tout droit, en fait. Hein. On va pas se... On va passer par la Syrie. Hein. On va pas se compliquer la vie non plus. Hein. On privilégie les trajets rectilignes. Ah, on va rien rajouter dans la cargaison, ça par contre c'est une certitude. Allez. Bon bah ça s'est plutôt pas trop mal passé par la forêt là au final. Moi je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Est-ce que ça va passer? Il reste encore des difficultés là? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Alors là, est-ce qu'il y a de la glace ici? On va passer un petit peu dans la. Attends, on va repasser en vitesse lente. On va passer un petit peu dans la neige. Ah, on y va doucement mais sûrement hein. Ouais, c'est pas mal hein. Oulala, je m'éloigne de la neige. On reprend un peu dans la neige là. Attends. On va. Oulala, quelle catastrophe. Que se passe-t-il? Allô? Ouais, c'est bon. On utilise le treuil. Ah mon dieu! Je suis bloqué! On va mettre le frein à main.
On va accrocher le treuil ici, là. Ah, c'est bon, j'ai chopé le poteau. C'est très très verglacé là, hein? Voilà. Là, c'est bon. Attention. Et t'as vu tout ce que... T'as vu la cargaison là? Ça fait... C'est impressionnant quand même, hein? On arrache, on déforeste un peu, mais c'est pas grave, hein, c'est pour la bonne cause. Voilà, on va un petit peu sur la neige, comme ça s'accroche un peu mieux. Et ici, il faut bien qu'on se mette à droite, vu qu'on va être obligé de tourner à gauche. Ça se passe bien. Ici, est-ce qu'on va passer ou pas? Ça monte beaucoup là. Allez, on rase le... Oh, je m'arrête, je crois, non? Ah non, c'est bon. Ouais, c'est bon, on tourne. Ok, on va accrocher le treuil. Attends, là, non, là. On va l'accrocher là. Ah non, raté. Accrocher le treuil. Bah ici déjà on peut le mettre là, hein. Allez. Ça avance un peu ou pas du tout? Pas du tout. On peut s'accrocher là ou pas? Attends. Est-ce qu'on peut accrocher de l'autre côté? Là. Allez, tire. C'est bon, je crois que c'est passé. Ah, il en manque encore un peu. Non. Ah, quel enfer! Allez, ici, vas-y, on y va. Oh là là, ça y est, on a tout déforesté. Bon, on continue alors par l'arrière. Là. Ici, c'est parti. Allez, dernière difficulté. On y va, on met toute la gomme. On va même pas être obligé de faire le virage, regarde. On va pouvoir... Oh, il tourne plus. Treuil, treuil. Allez, vas-y. Et voilà, vers la vallée blanche. C'est parfait. On va y arriver. On va repasser le matin parce que j'aime bien le matin. Donc, attends, j'ai pas fait le trajet. Entrepôt, hein, on va pas passer par là. Ça me semble pas sympa. On va refaire pareil. On va passer ici. On va passer là. 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 Et ça sera la victoire. C'est tout bon? Allez, en route. On refait pas les mêmes conneries que tout à l'heure. Ici, on sait que ça passe pas trop.
Voilà, c'est ça qu'il faut pas faire. On essaie de pas casser le moteur avant d'arriver à destination. Et on ne renverse pas la cargaison. Ça, c'est le plus important. Voilà, ça c'est bon. Ici, on prend bien le pont. Nickel. Ah, on maîtrise, hein. On maîtrise totalement la chose, là. Hop, ici, on prend bien large. On n'hésite pas à couper un peu dans la neige. Oula. Oula. C'est facile. Allez, vas-y. Voilà, c'est bon. Ça va passer, ça va passer quand même. On enlève un peu les arbres, mais c'est bon. Voilà, et après je crois qu'on est tranquille. On est tranquille jusqu'à l'arrivée maintenant. On va pouvoir profiter du paysage tranquillement au volant de notre Colob. Je crois hein, qu'il n'y a plus de difficultés là. Alors, la question c'est est-ce qu'on aurait plus vite fait de faire la mission en deux fois? Enfin, en quatre fois. Je sais pas trop. Hein. Là, c'est quand même. Enfin, il n'y a pas tellement eu de passage où on est resté bloqué longtemps. Hein. Donc, ouais, je pense que c'est. Le challenge est relevé. Hein. En utilisant la remorque super lourde, faire ça, ça passe, mais ouais, il faut un gros camion. Hein. Il faut un très très gros camion. À mon avis, le bandit, il peut pas faire ça. Hein. Est-ce qu'il y a un autre camion que le Colob qui serait capable de faire cette mission? Je les connais pas tous, donc je dirais peut-être, mais je suis pas certain. Hein. Voilà, on prend bien large ici. Nickel. Et là, on arrive à l'endroit, la dernière ligne droite. Par contre, il faut qu'on fasse attention parce que sur la route, c'est gelé. Alors, c'est pas ici. C'est après le virage, je crois. Parfait. Ça nous a pas du tout coupé dans notre élan. C'est nickel. Allez, on y va. On passe un peu sur la rambarde, je pense, à l'arrière. Oui, c'est ça. Ici, il y a quelques cailloux, mais ça devrait pas poser de problème à la remorque. C'est ici le souci. Est-ce que je peux passer à droite du caillou, là? Ici. Ah, il y a une souche. Mon Dieu. Ah, mais c'est là que je tourne pas, je crois. Ouais. Ouais, j'ai bien fait de freiner. C'est ici que c'est gelé, en fait. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est ici que c'est verglacé. Donc là, on reste bien à droite. Enfin, on essaie de faire ce qu'on peut, en fait, là, surtout. On reste bien à droite et on tourne. Voilà, on essaie de prendre, d'avoir la trajectoire la plus droite possible au niveau de la remorque. Ici, on a vu tout à l'heure que ça penchait un peu, mais ça passait. On va juste aller doucement. Voilà, parfait. Allez, on continue. Attention aux cailloux ici, on va se remettre en vitesse lente. Hop,
C'est un caillou qui gêne ou c'est quoi là, non? Accrocher le treuil. Ici, là. Allez. On est un peu dans l'Isère là. Ah, je crois que je me suis posé sur le caillou, j'aurais pas dû faire ça. Parce que là du coup, je ne peux plus avancer du tout. Est-ce qu'on peut pas prendre l'autre? Le poteau là. Voilà. Ça bouge. Là, ça bouge plus du tout. Ok, on va accrocher le treuil à la remorque. Ici, au poteau, s'il vous plaît. Là. Non, c'est. Tu veux pas du tout là? On va être obligé de reculer? Je sais même pas si je peux reculer là. Je vais être sur un caillou là. Ah, c'est pas bon là. Attends. Ah là c'est le bordel, là je suis sur un caillou, là on est niqué là je crois. Est-ce qu'il va virer ou pas là? Non, là il est foutu. Est-ce que tu crois que si je décroche la remorque ça va m'aider? Ou pas? Ah, je sais pas trop là. Je vais pouvoir la raccrocher là? C'est pas sûr, hein? C'est pas sûr que je puisse la raccrocher en fait là. Ouais, c'est permissif, hein, on va dire. Allez, on recule. Allez, on y va, les gars, on tire. On accroche le treuil de ce côté-là. On le met sur ce poteau-là. Et on tire. Voilà, mais vous voyez, ça passe facile en fait, hein. Ça passe super facile. Il n'y a pas de problème. On va pas refaire, hein, je crois, de mission avec la super lourde parce que c'est quand même pas super intéressant. C'est un peu du bourrinage. On l'utilisera certainement, je pense. Ça a été introduit avec je ne sais pas quelle mise à jour, mais je pense qu'on l'utilisera pour faire quelque chose qui est dédié à ça parce que c'est super. Enfin. Ok, on a fait le challenge, allez. Voilà, on était promu 27 d'ailleurs. Ok, super. Cargopocalypse, épisode 2. Voilà ce que j'appelle être un pro. Voici votre récompense bien méritée. À bientôt. 1850 d'XP, 18850 d'argent. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On va arrêter le moteur. Allez, on affiche le défi. Alors, vue cockpit requise. 3 minutes 20. Ok. Ouh, mais ça rapporte pas mal d'argent. C'est bien. 1700. Ok.
On commence. Faut suivre la rivière, hein, de toute façon. Donc, on y va. Écoutez, défi de la rivière, première, c'est parti. Je parle pas quand je suis en vue intérieure parce que je suis super stressé. Est-ce qu'on se met pas en auto? Casser les suspensions, c'est pas grave, tout va bien. Écoutez, on est à combien? 40 secondes. Est-ce qu'on peut... Ouais, ça va, on n'hésite pas à céder du treuil hein, si besoin. Bah là, on est perdu. Il n'y a pas de point de treuil. Ok. Nickel. C'est pas mal. Il nous reste combien de temps? 2 minutes. J'aurais pas dû passer par là. Par où on passe là? Je vais passer au-dessus. Ouais, ok. Allez, on repasse encore dans la rivière, hein, je pense. On est pas mal là. C'était 2h30. Il me reste 30 secondes là. Allez. 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 Ouais, trop cool. 2h04. Bon, ben voilà, je vous remercie. J'ai beaucoup de responsabilités et j'ai presque pas de ressources. Vous faites vraiment la différence. Mais oui. C'est bon, on peut respirer, on klaxonne. Ok, nickel, on arrête le moteur. Oups, on arrête le moteur, on regarde la carte. Voilà, ça y est, on est arrivé au début du défi. Alors, ce défi, je vous explique, il fait un peu flipper. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit si facile que ça. Alors, on met le frein à main, on arrête le moteur, on regarde. Là, je pense, attends, j'enlève tout, je pense qu'on va essayer de passer un peu sur le côté par là, en fait, là. Et pas trop au milieu là. Alors ensuite, on vérifie une chose de haut en bas. Il faut aller où? Aller à la cible. Ah, mais il faut pas aller en haut. Ah, mais bien sûr que si, il faut aller jusqu'en haut. Et revenez. J'ai envie de te dire qu'on va revenir nous par là. Ok? On va voir en fait. Si on met plus d'une minute. Et t'imagines comme ça va vite, il faut que tu montes en 1 minute 05. Après, la descente est peut-être plus rapide. On essaye ou pas? Ça va être chaud, hein, là. Là, je pense que c'est chaud. Hein. Est-ce qu'on part pas direct en vitesse lente et en blocage du différentiel?
Je sais pas trop. On va essayer comme ça. On essaye. C'est parti. Ah, j'ai laissé le frein à main allumé, quel violent. Le frein à main allumé. J'ai laissé le frein à main serré. J'ai déjà perdu une seconde. Attends, on va passer sur la droite. Sur la gauche, pardon. Quand je suis stressé, je reconnais plus ma droite et ma gauche. Pas de panique. Hein. Est-ce qu'on peut pas passer dans le. Dans la. Attends, on va se mettre en vitesse lente. Voilà. Ok. Honnêtement, c'est pas mal. On va être juste au niveau du temps, je pense, hein. Allez, on perd pas de temps, on redescend. On peut y aller comme un bourrin là en fait, non? Parce qu'au pire, si on se retourne, on peut toujours se treuil. Qu'est-ce que t'en penses? Ou alors on met le blocage différentiel. Ah, on va être chaud. On va pas y arriver. Je crois qu'on va pas y arriver. Non, c'était 10, hein, c'est mort. Ah, intéressant, il va peut-être nous donner du fil à retordre celui-là. Ouais. Allez. Eh, hey, tu vois? Comment vous avez fait? C'est rapide, je ne peux pas croire que j'ai perdu mon titre. Ne faites pas le fier, j'ai l'intention de le récupérer. Et on a 10 secondes de trop. Ah, intéressant. Comment on fait alors? Faut la jouer plus finaux là. On va commencer déjà de là. Ok, on recommence. Attends, je vais enlever la mission là qui est. C'est une tâche ou c'est quoi? C'est une mission? Voilà. Ok. Alors là, on n'a pas le frein à main. On est bon, on recommence. On utilise plus le treuil pour la montée, ok. Sinon la descente, honnêtement, c'était pas mal. Hein. Allez, c'est parti. Ah zut, j'ai pas... Putain, quel con. Je suis parti trop vite. Attends, du coup, je me remets en lente, machin. Voilà. Et on accepte et c'est parti. Allez. Allez. Vas-y, c'est parfait. Nickel, on y va, on continue. On en est pas mal. Je suis pas sûr qu'on gagne du temps On va repasser ici, c'était pas mal, j'ai l'impression. Ok. On va rester en vitesse lente. On est sur le même. Oui, j'ai l'impression qu'on est sur le même temps. Hein. On n'a pas gagné de temps là. Allez, vite, on redescend, on repasse en marche arrière.
va être juste encore, hein. Je crois qu'on va être juste là. Ouais, il va nous manquer encore à peine de temps. Aïe, aïe, aïe. Il va nous manquer encore. On a fait le même temps, je crois, non? On a fait 19, hein. Ah ouais, c'est pareil. Ah, la vacherie. Comment on fait? Ah, alors là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Non, on arrête le moteur. Eh, pas facile, hein? Est-ce que tu crois que le bandit s'en sort mieux? Ah, il est là. Il faut qu'il aille où? Là, c'est pas très loin. Il faut qu'on le fasse remonter, le bandit? Ouais, je vais essayer de reprendre le bandit pour le ramener là. Il est pas loin. Je ramène le bandit et puis on se retrouve là pour tester. Voilà, ça y est, on est arrivé. Oh là là, je suis pas sûr du tout de moi comme j'ai galéré pour passer dans les trucs. Attends. Je suis pas sûr que ça va mieux marcher, hein. Allez, c'est parti. Ah non, c'est un échec. Ça marche pas mieux, hein. Non, non, non. Ça marche pas. Allez. Ça marche pas avec le bandit. Bon, ben je sais pas si je vais pouvoir le faire avec le. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire avec le marshal. Hein. On a déjà l'argent, hein, c'est déjà pas mal. Hein. On reste une fois ou pas? Ouais, objectif échoué. Ouais, j'ai vu. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Je sais pas trop, hein. Là, il y a des cailloux, on peut pas passer, on reste une fois. Allez. C'est bon, là ça monte. J'ai pas l'impression qu'on puisse aller beaucoup plus vite hein, sur cette portion là. Peut-être en passant sur la droite là.
perdre trop de temps en fait, je pourrais faire demi-tour là. Ah la misère, là c'est la catastrophe quoi. Ah oui, tiens, je klaxonne parce que c'est le stress et ouais. Allez, dépêche-toi là. Allez, mon Dieu. Allez, il te reste 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mais oui! Bon, bah j'ai fait n'importe quoi et figurez-vous que c'est passé. Mais c'est trop bien. Ah, bah la vache, il est chaud celui-là. Allez, on arrête le moteur. Il nous en restait un? Voilà, on est arrivé au défi. Alors, on affiche le défi. Nous avons trois stations de surveillance météo dans la région, mais nous ne pouvons pas obtenir de relevés à distance. En théorie, nous devrions pouvoir obtenir quelques relevés si vous pouvez leur amener une remorque de service. 7 minutes. On va regarder tout ça. Alors. Examiner là. Alors, faut examiner celui-ci. Ok. Dans quel ordre faut les faire? Est-ce qu'il faut les faire dans le... Ah, mais la vache, mais ça va être hyper chaud! On va commencer par celui qui est tout droit là, non? Ensuite celui-là, et ensuite celui-là. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. J'espère qu'il faut pas les faire dans l'ordre. On a combien? On a 7 minutes? Ça me semble complètement irréaliste. Où est le truc là? Il est là. 100 mètres. Ça va être chaud, hein? On peut passer tout droit, tu crois? On essaye, hein? De toute façon, on va essayer. On affiche le défi. Et... Ah, on peut plus. Ah si, on affiche le défi et on y va. Ah bah super les gars, hé! Ah tu rigoles quoi! Attends, stop, arrête le défi là! Arrête le défi, tu peux pas l'arrêter! Mais si! Vous m'avez eu là! Recommencez, 1, 2, 3! Il rigole quoi! Allez, vas-y, va. On commence par aller tout droit. Allez, c'est parti. On est en auto. On fait attention aux souches. Mais comment tu veux qu'on fasse ça en 7 minutes? Les gars, ça passera pas là. Comment tu fais là? Explique-moi, parce que là, je comprends pas là. J'ai pas compris. Ok. Là, il va me falloir 7 minutes pour en faire une, là, non?
Mais c'est quoi cette salade là? Comment tu fais pour faire ça? Il y a une route ou pas? Il y a une route par là, là? Non, mais non, je crois pas. Hein. Ben, on peut laisser par là, mais. Par là? Ben, je vois pas comment on fait là, les gars. Il nous faut un camion. Ben, on est obligé de prendre un camion là pour faire ça. Ben. C'est quoi ce truc là? J'ai pas compris par où fallait que je passe. Non mais ça va pas. Ça va pas, laisse tomber. Laisse tomber, c'est pas bon. Je vais la laisser là, on n'a pas besoin. Hein. Faut un machin de psychopathe là. Qu'est-ce qu'on prend comme. Bah alors là je suis scié, j'ai même pas de solution. Comment on va s'en sortir là? Le truc il peut pas aller là. Même tout seul il n'y arrive pas là. Comment que tu veux qu'il trimballe la remorque là? Comment on fait? Ah ben, comment on fait? On arrête le moteur. Bon, vous êtes chaud là? On fait comme ça? On essaye? Alors, on a toujours le point là-haut. Donc, on affiche le défi. On recommence. C'est parti. On attelle la remorque et on y va. Ah, ok, on a perdu 6 secondes. Allez, c'est parti. On va y aller en vitesse lente et en blocage du différentiel. Et là, est-ce qu'on essaie de passer tout droit? On va tourner. On va passer entre les sapins tout droit là. Ah là, c'est autre chose là.
Est-ce qu'on peut le coucher, le sapin, devant, là? Ouais, ça va passer, je crois. Ah, on est pas mal, là. Il faut qu'on fasse un truc ou pas? Non. On redescend. Ou on passe au-dessus. Comment on fait là? Ah, je sais pas si on va pouvoir grimper, hein. Non, hein. On va essayer de faire demi-tour tranquille. À mon avis, on va faire quand même gaffe à pas se retourner. Ouais, ça m'a l'air de pencher sévère. Mais oui, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Écoute, ouais, on va accrocher le treuil là, on va le mettre là et on va tirer. Après, on va repartir en marche avant. On va allumer les phares. On peut le coucher celui-là, hein? Non? Non. Ok, ça va passer. On va au prochain qui est sur la droite. On peut peut-être passer en auto quand on est sur la route. On a un peu cassé le véhicule, mais écoute, c'est passé, hein. Allez, on va repasser peut-être comme ça, non? Ça allait plus doucement, mais... Non, c'est bien là. Alors, comment on y va là-bas? J'ai envie de repasser le matin quand même, hein. On va passer à gauche. On va prendre la petite route. Là. Allez, on y va. On tourne à fond. On a mis tout ce qu'on pouvait là. Hein. Allez, on y va. On passe au milieu de tout. On va passer sur la petite. Ouais, on est pas mal. On va redescendre après, je ne sais où. Attention de ne pas se renverser encore une fois. On ne stresse pas, à mon avis, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Hein. Il nous reste 2 minutes pour faire 400 mètres là. On peut essayer de reprendre peut-être la route, non? Allez. Ah ouais, non, là, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Je crois pas qu'on ait de... Non. C'est foutu. On peut récupérer le camion et recommencer. Il est très très chaud, hein.
Alors, on arrive. Bon, réfléchissons. Maintenant qu'on a notre super camion. On réfléchit un peu. On va se mettre là. On arrête le moteur. On va regarder la carte. On va prendre le défi. Alors, examiner le point météo. Là, on va commencer par celui-ci. Ok? Regarde. On va reprendre la route. On va prendre la machine. On va repasser là. 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 On va aller par là. Ensuite, on va revenir sur la route. J'ai dit on va revenir sur la route. Ouais. On va passer là, là, là. Et là, là, on va essayer de passer là et là. Est-ce que c'est possible de redescendre là? Je sais pas, mais ce serait bien qu'on fasse un truc genre comme ça là. Et là, on sait qu'on passe par là, là, et puis entre les machins. Et là, faut qu'on finisse par celui-là parce que là, une fois qu'on sera là-haut, j'ai l'impression qu'on pourra pas faire demi-tour. Ça sera mort. Ok, tu vois le trajet, vous avez bien compris. Est-ce qu'on peut tout faire ça en 7 minutes? Eh ben, j'en sais rien. On essaye comme ça. C'est le matin, c'est bon. On enlève le frein à main, on passe tout de suite en vitesse lente et on met le blocage du différentiel, on démarre le camion, on accepte le défi, et du coup, erreur, on va recommencer, vous inquiétez pas, on va recommencer. Il faut que je me mette pile là, là. Ah là là, comme ça, hop. On affiche le défi, on recommence, on avance un peu. On avance un peu. Ok, on va recommencer une fois. Voilà, on recule. Ok, on attelle la remorque et on y va. On ferme le menu et c'est parti. On passe tout de suite en vitesse lente et le blocage du différentiel pour pas perdre de temps. On va essayer de pas prendre la souche ici. Voilà. Parfait. Allez. Donc, on commence par aller chercher un facile. On a 2 minutes. Ouais, en gros, on a 2 minutes par point. Donc là, clairement, il va pas assez vite, hein, le camion. C'est chaud. On va couper là à droite. Et puis après, on va essayer de faire demi-tour pour revenir sur la route. Ah mon Dieu. On est pas mal là. Ouais, on est pas mal. On fait demi-tour tout de suite. Attention de ne pas se retourner, c'est important. Là, le demi-tour s'est plutôt bien passé. Donc ça, si jamais on doit recommencer 5, si jamais on doit recommencer 50 fois, on sait que c'est pas mal là. Ok? Donc ça, c'est plus ou moins facile. Ensuite, étape suivante. On est à 2 minutes là. Est-ce qu'on peut repasser quand on est sur la route? Est-ce qu'on peut repasser en auto? J'ai pas l'impression qu'on gagne beaucoup de temps. Donc on va rester comme ça, mais là on perd beaucoup trop de temps, on va pas assez vite, hein. Ouais, j'ai pas l'impression que. En fait, il va peut-être pas assez vite ce camion. Autant en hors-piste, il n'y a pas de souci.
Allez, on y va. On a encore 100 mètres à faire, il y a déjà 3 minutes là. On n'est pas bon là. Hein. Sur la route, si on peut repasser en auto. Allez, on va passer là. Ok. Allez, là, c'est là. Je sais pas si on pourra repasser tout droit. On essaiera. On essaiera de repasser tout droit. Là, on va essayer de monter ici sans se retourner. Le trajet était pas si mal hein, à l'aller. Ok. Ah, là, on va être moins bon que tout à l'heure, je crois. Parce que cet arbre-là, je suis pas sûr qu'on puisse le coucher. Ouais. C'est bon, ça va passer quand même. Il faudra que je tourne à droite ensuite. Hein. Là, ça va passer. Par contre, 4 minutes, là, on n'est pas bon. Hein. On va essayer de tourner à droite tout de suite après ce truc-là. Là. Je sais pas si je peux passer entre le sapin. Non, on va faire le tour. On va reculer un peu. On va reculer encore un peu. Voilà, et là on va essayer de redescendre tout droit par ici. Voilà, ah mais j'avais le... Ah il nous reste 2 minutes, ça va pas être assez. Ouais, on va passer là. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on va pouvoir passer au-dessus de la rambarde? Ah, ça j'en sais rien. On va se mettre vers un poteau qu'on puisse utiliser le treuil. Ouais, ça passe. J'ai l'impression que c'est passé. Ok. Alors là, truc, je sais pas si elle passe. Ouais, c'est bon. Là, on tourne bien à droite. Je stresse là. Stress maximum là. Allez. Ah, ça va nous mettre dedans. Non, c'est bon, c'est passé. Ça va nous mettre dedans. Ça va nous mettre dedans, ça. Allez, on continue à fond. De toute façon, je suis à fond là. Ok. On prend un peu de vitesse. Voilà, on tourne ici. Et là, on monte tout droit. Allez, on y va. Allez, on donne tout ce qu'on a. Il nous reste 1 minute pour monter. Plus que 50 secondes, je pense honnêtement. Ça devrait le faire. Hein. Allez, 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 allez. Plus que 40 secondes, mais je pense que c'est bon. Et nickel! C'est beau ça, non? Ah, c'est réconfortant d'entendre qu'elles sont encore intactes. Avec ces données, nous devrions pouvoir obtenir certaines prévisions pour la semaine à venir. Nous apprécierons si vous pouviez nous aider à nouveau dans le futur. Ouais, bah, pas pour faire un truc si compliqué, on verra. Eh, super, on arrête le moteur. On regarde la carte. On a fini. Est-ce qu'il nous en restait pas? Voilà, on arrive près du défi. Bon, écoutez, je pense après le défi qu'on vient de faire, celui-là devrait pas poser de problème. Hein. Il faut juste amener le camion en 7, le scout là-bas en 7 minutes. Donc on est d'accord que c'est là-bas. Hein. Donc on passe par là, là, là. On fait tout le tour, quoi. Là, on tourne bien ici.
Là, et puis après, c'est tout droit, quoi. Je sais pas où c'est. C'est là qu'il faut l'amener? C'est là, non? Je sais plus. Attends. Ouais, c'est ça, la station à bateau. Ouais, c'est ça. Donc écoute, en 7 minutes, ça me semble largement faisable, hein. On essaye de passer par la route et puis ça va pas. Attends, je vais l'accrocher correctement quand même. C'est parti. On a perdu 8 secondes, mais je pense qu'on n'est pas à 8 secondes près, non? Allez. Ah, ça va peut-être être difficile de pas mettre des dégâts au véhicule, non? Ah, c'est peut-être ça le jeu là. J'avais pas pensé à ça. On va bien le coller au camion. Ok, pour l'instant ça se passe bien, on est à 1 minute. En cas de problème, on n'hésite pas à repasser en vitesse lente hein, pour bloquer le différentiel, ça peut nous faire gagner quand même un peu de temps. Genre ici, pas de panique, hein, ça va passer. Il n'y a que ce passage-là qui est un peu critique. Là, je pense qu'on est déjà sorti, non? Ouais, ça va aller. Nickel, on passe bien à côté. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette des dégâts. C'est peut-être ça qui est le plus difficile au final, de ne pas mettre des dégâts au scout. Allez, on continue tout droit. Là, ça va être la route. Donc ça devrait passer aussi facilement. On a 2 minutes, ouais, je pense que ça va aller. On n'oublie pas de tourner ici. Parfait. Ici, on fait attention de ne pas prendre de dégâts. Nickel. Ah bah non. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est bon, ça a pas compté en tant que dégâts là. Ok, ça marche. C'est ça ma crainte en fait, c'est si les dégâts. Oh la vache, on a refait le véhicule là. On a refait le véhicule. Il nous reste combien? Ouais, non, mais il nous reste pas mal de temps. Au niveau du temps, je pense qu'on est bon. On est bien. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut repasser en auto là? Ouais. Ici là. Ouh, ici va pas faire. Oui, ici ça penche un peu, je crois. Va falloir qu'on fasse gaffe. Et c'est un peu boueux. On va tout de suite se repasser en vitesse lente. Là, il y a un petit passage dans la neige, je crois. Ah oui, il faut pas que je. Non, je peux pas m'aider du treuil. Quel con. Faut pas que je lâche le camion. J'ai pas pensé. Mais au niveau du temps, on est assez large. Hein. Y a pas de souci. On a bien mis le blocage du différentiel. Ça, c'est bon. Il y a un tout petit peu de neige. Non, on va rester en vitesse lente normale. Là. Ça va passer, hein. On est à 4 minutes. Ok, on peut passer en auto ici. C'est pas mal.
C'est à droite ici, c'est à gauche, pardon. C'est à gauche ici, je crois, oui. On va repasser en vitesse lente puisqu'on a le temps, en blocage différentiel, on a assez de, on est bien. Allez, c'est là? C'est juste ici? Ok, bon bah ça devrait aller. Parfait, conditions météo, bien joué, le véhicule est sur place et tous les appareils semblent fonctionner comme prévu. Continuez votre bon travail. Parfait les gars, bah, on a bien avancé aujourd'hui, on arrête le moteur, on regarde la carte, on a fini. Non, d'ailleurs, ça va être plus simple, on va regarder le profil. Au niveau des contrats, il nous reste que les contrats où il faut transporter les grumes, donc ça c'est bon. Les troncs, pardon. Au niveau des tâches, je crois que finalement on a réussi à tout faire. Ouais, c'est bon. Les camions, c'est pas grave. Les défis, c'est bon. On a chopé l'or partout. Les succès, j'ai pas compris. Et on est à 94%. C'est normal. C'est normal vu qu'il nous reste quelques contrats à faire. Bon, bah écoutez, il nous ah, attendez, j'ai pas vu. Il nous manque également une amélioration. Je ne sais pas où elle est. La prochaine fois, on ira regarder où se trouve cette dernière amélioration. Et on en profitera peut-être soit pour faire des missions avec les troncs, soit partir pour une nouvelle aventure en Russie. On verra ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé l'épisode et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!